Et c'est parti pour une bataille en Medjay. Alors, nous serons top tiers. Oui, en fait, il n'y a que les tiers 5. Alors, où est-ce que les camarades vont partir? Plutôt par là. On va les suivre. Bon, on va pas se mettre sur le pont là, pour s'engager dans un duel, c'est pas intéressant. Alors, le 4G va bloquer le passage. On va jeter un petit coup d'œil là, voir s'il passe. Il y a un paquet d'ennemis sur la droite. Qu'est-ce qu'il y a là? Un T-14 bien blindé. Et ça passe à la munition ordinaire. Je bloque. Pose à l'air là, sur la droite. Je vais peut-être aller aider les camarades. Alors, évidemment, je me fais tirer par derrière. Ouais, mais en plus qu'il a liquidé un allié. Bon, il ne me regarde pas. Alors, j'ai les obus façon britannique. Bonne cadence, mais évidemment, dégâts unitaires, pas terrible. Il y en a plusieurs, là, des adversaires. Un T-34. 27. Allez, allez, allez. Tourne-toi. Voilà. Oh, il y a un duel là. Mais mon barillet est vide. Allez, recharge, 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 recharge. J'allais dans le moteur. Boum! Tire incapacitant, c'est marqué. Alors, le T-14 adverse qui détruit un chenu à nous. Oh, bah, y a un chenu adverse là. Bon. Japonais, il n'y a pas beaucoup de blindage là-dessus. Hein. De flanc, c'est pas très bien ça. Il s'en va. Bon, on va le tourner. Et dès que ça monte, hein, j'ai un peu de moteur, un peu de mal. Hein. Il est fini. Ah ben on a gagné. On a gagné. Ah ben j'ai fait une classe 3. 3 de destruction, 4 endommagés, dégâts 1045, dégâts invoqués 670. C'est pas mal. D'accord, donc on trouve. Ah, je suis deuxième de l'équipe. Le premier, d'ailleurs, chez nous, c'est un Medjay qui a fait une classe 2, ce qui est logique. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, là? Alors, les statistiques. 11 tirs. Ils ont tous pénétré. Donc, 4 endommagés, 3 détruits. Reçu 7 coups, mais que 4 prenaient d'entration. D'accord, bon, ça, on voit. Donc globalement, c'était une bonne affaire. J'aurais dû prendre un petit compte premium là. Crédit, on y gagne. Bon, très bien. Bon, bah ça confirme ma première bataille. Hein. C'est un bon char, surtout pour les gens qui ne sont pas très expérimentés comme moi, ou plutôt qui ont perdu un peu la main. Donc, tourelle solide, bon canon, bon barillet. Fait pas trop de dégâts, mais bon, c'est un canon anglais. Mobilité assez bonne en terrain plat, mais ça craint quand même un petit peu quand ça monte. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.